Hey, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Zoltan, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu sur YouTube, c'est vrai, je suis vraiment désolé, il y a eu trop de trucs à faire sur la JVTV, sur les nouveaux programmes et tout, j'étais sans arrêt à Webedia ces derniers temps, bref, tout ça pour vous dire que je lance une nouvelle émission. Je vous ai posé la question il y a peu de temps sur Twitter et Facebook, au niveau des livres de Warcraft, parce qu'en fait, on discutait tranquille, j'étais avec Jill, on discutait, on parlait, tu vois, des histoires de jeux vidéo, de Warcraft et tout, et il savait en fait que les histoires de Warcraft sont fascinantes, et étant joueur depuis 11 ans et m'intéressant au sujet de plus en plus au niveau de son lore, je me suis dit, je peux pas passer à côté de ça. Donc, je vous annonce officiellement la création d'une émission qui pourrait être en direct, mais surtout sur YouTube, donc pour vous, les abonnés YouTube, d'une série des livres de World of Warcraft, d'accord? Tous, sans exception, détaillés, racontés à ma façon, d'une façon différente de ce que vous avez l'habitude de voir. Il y a des gens formidablement doués déjà qui font ça. Bah, Sam Vostok, évidemment, hein, chez Millennium, que tout le monde connaît. Le frère Sam Vostok. Hydra et Terramor aussi fait de très bonnes choses. Moi, j'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu différent, avec un support en plus. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça pendant la première émission, j'espère vraiment que ça vous plaira, mais je suis là aussi pour vous montrer les livres qui vont être abordés dans un premier temps. Alors bon, je vous avoue qu'on a un peu craqué, 167 € ou 164, je sais plus, de livres ont été pris d'un seul coup. Je vous fais un petit récap, premièrement. Donc Illidan de William King sera un livre lu en entier et abordé dans ces épisodes. L'effondrement et le prélude au cataclysme. Jaina Portvaillant, le déferlement. L'heure des ténèbres. Le cycle de la haine. L'ascension de la horde. Warcrime, donc crime de guerre, hein, qui est très connu. Arthas, l'ascension du roi Lich, évidemment. Au-delà de la porte des ténèbres. Ainsi que Vol'jin, les ombres de la Horde, et l'aube des aspects. Et en plus de ces livres-là, de ces romans-là, il y a bien évidemment Warcraft Chronicle 2, mais, c'est pour ça que je finis par celui-là, le premier épisode donc, sera sur YouTube, ce sera peut-être plusieurs épisodes hein, par livre, parce que c'est long à traiter tout ça, mais on va commencer par le commencement, j'ai envie de dire, hein. Donc par Warcraft Chronicle 1, qui raconte un peu donc... qu'est-ce que c'est en fait le cosmos et Azeroth, pourquoi les élémentaires, pourquoi les titans, pourquoi les humains, les machins, les nanani nanana, qui descend de quoi, dans quel ordre et tout. Donc on va commencer par ça, Warcraft Chronicle 1, et ensuite on fera Warcraft Chronicle 2, puis on fera tous les livres que je vous ai montrés il y a un instant. En tout cas voilà, sachez que je suis très heureux de pouvoir vous annoncer le lancement de cette émission, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je vais beaucoup travailler pour ça et j'ai vraiment hâte en fait de... J'ai vraiment 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 hâte en fait de vous montrer tout ça parce que c'est... Étant sur Warcraft depuis très longtemps, aimant tous les univers d'Heroic, Fantasy, Fantastique, je pense que vous le savez hein, pour ceux qui suivent mes streams depuis longtemps, ceux qui sont sur YouTube ne savent peut-être pas toutes ces choses-là parce que YouTube c'est un peu moins intime alors qu'en direct on se parle vraiment, tu vois, en direct et je peux vous parler plus de ce que j'aime et de mes goûts. Et c'est vraiment le genre d'histoire que j'affectionne et qui me passionne. Du coup voilà, j'espère que cette annonce vous plaît, j'espère que vous êtes OP. N'hésitez pas à mettre des commentaires dans l'espace commentaire de cette vidéo. J'aimerais avoir votre retour et votre ressenti sur ça, si c'est une bonne idée ou pas. Peut-être des conseils, hein. C'est toujours bon à prendre les conseils, il faut pas, s'enfermer et s'entêter dans ses propres idées, il faut toujours écouter les autres un minimum. Et voilà, donc j'espère vraiment vraiment que ça vous plaît, que vous êtes impatient que ça commence. En ce qui concerne la série Vanilla, vous inquiétez pas, ça continue, je sais qu'il n'y a pas eu de vidéo depuis un mois, mais comme je l'ai dit, très occupé depuis la rentrée, voilà, je suis monté en grade sur la JVTV, donc c'est, disons que c'est un peu chaud à tout faire là, mais je vais y arriver, et j'ai foi en ça, et voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine, prochaine vidéo demain ou après-demain, je vais reprendre le rythme quasiment tous les jours là, parce que j'ai pas pu ces derniers temps, et encore une fois, désolé. Pense à t'abonner pour être au courant de la suite au niveau des vidéos et de la suite des aventures ici. Je vous fais plein de bisous et à bientôt. Ciao, ciao.